même pas, c'est moi qui te parle, moi, ton grand frère. Que cela te fasse mal ou pas, moi, je m'en fous, mais moi, je te demande. Longola bato wana. Ce qui est au banga, que Baminé Bako Boumayo, bon, tika politique, ça a commerce au Sara. C'est simple. C'est simple. Tika politique, ça a commerce au Sara. C'est simple, tu vivras toujours. Il n'y a pas que la politique qui fait vivre les gens, sinon le Congo entier serait un Congo de politiciens. Mais il y a des gens qui vivent avec le Matembele, avec le Ndunda. Ils mangent, ils ne sont pas des politiciens. Mon frère Jean-Pierre Bemba, tu t'es sali en faisant alliance avec une bande de milassos politiques. Voyez Balamou, Banambo Kanyoso, vous allez bande à Congo, la diaspora partout au travers le monde. Merci de choisir ce programme à congodialogue.com et cette émission, l'espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Très ravi de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Vraiment, on est en train de rire avec le président tout à l'heure que mes bazot tout à présent au Bungi, aux Oyokana et société. Dans une semaine ou deux semaines d'absence de la télévision, président, ça devient vraiment un scandale. Les gens crisent hein, d'informations. Bon, en fait, nous vous signalons que le président a d'autres occupations aussi, non seulement de venir passer à la télé chaque fois. Alors l'avoir comme ça, c'est vraiment un privilège et beaucoup de sacrifices de passer à la télé pour n'en couper sa bise aux informations et puis plutôt réfléchir ensemble. Donc apaisez-vous, si vous ne voyez pas le président dans vos petits écrans pendant une ou deux semaines, c'est suite aux occupations qu'il a ici en Afrique du Sud. Merci de choisir ces programmes. Alors nous allons réfléchir ensemble par rapport à l'actualité qui se passe actuellement. Pendant le silence que le président n'apparaît pas à la télévision, Torso Lansan Benaye, merci. S'il y aura des questions que vous avez l'habitude de dire et des commentaires, n'hésitez pas, nos numéros seront bientôt fichés dans vos petits écrans. Côté, votre message dans le ministère et sport, parce que nous sommes des Congolais, on n'a même pas bon. C'est loin que la RDC, tu habites à Nénini, sous la RDC qui a participé à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner à les Congolais et puis aux sportifs Union Sport précisément? Merci. Il n'y a pas un ministère de sport au Congo parce que le gouvernement n'est pas le nôtre. Ok? Ils sont incapables depuis longtemps de soutenir une légende footballistique. Le virevoltant Ndaye Mutumbula qui est sur une chaise roulante. Il a même du mal à trouver une chaise roulante. Un pays pour lequel il a tout donné, toute sa jeunesse. Ndaye, c'est quelqu'un qui pouvait être docteur en ceci, cela, docteur en... Mais l'amour du sport l'a transporté dans ce domaine pour refléter l'image du Congo et la fierté du Congo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Congo lui a donné? Chaque fois, ce qui CAF est allé, jusque-là, nous savons, il n'y a aucun pays, aucun joueur d'un pays africain qui a battu le record de Ndaye Mutumbula. Le 9 goals qu'il avait marqué en 1974. C'est quelqu'un qu'on devait à tout... Si c'était l'Afrique du Sud, ou un autre pays, mais surtout l'Afrique du Sud, qui aime bien faire le marketing de ces gens. Chaque Coupe d'Afrique, il fallait pas me mandailler, même sur une chaise roulante, même sur un lit, pour qu'on présentait, voici un monument vivant du sport africain. Pour qu'on présentait à Fandi Wana, bâti parapluie l'icolo, à Fandi, voilà que ça y est. Mais parce que chez nous, on n'a pas le respect de l'être humain. Ndaye, Zanyei Ponabango. On ne célèbre pas la journée de Lumumba chez nous parce que Lumumba za zoba Ponabango. On ne célèbre pas Joseph Kasabubu parce que Kasabubu ne vaut rien. On ne célèbre pas Tchebeya, Arma Tungulu et le reste. Mais on veut célébrer la journée, je ne sais pas, du 17 mai où l'AFDEL est entré pour voler, piller, détruire, humilier le peuple congolais. On ne respecte pas l'être humain au Congo. Alors, il n'y a pas un ministère, parce que les ministères, tous ces ministères qui sont là, ce sont des ministères d'occupation
accompagné et soutenu par des Congolais qui sont des idiots utiles à la charge des occupants et qui ne voient pas l'importance. Il y a sport dans quatre pays. Le sport, c'est le miroir de tout pays. La musique, même. La musique, qui n'a pas connu le Congo au monde grâce à la musique congolaise? Mais on connaissait Papa Wemba et les autres, plus que les ministres qui sont dans nos pays. Quand on parle de la rumba, quand on parle de Kandabongo, bien que Kandabongo n'a pas de succès au Congo, mais toute l'Afrique connaît Kandabongo. Et ils vont te demander, il est d'où? Il est du Congo. Mais on ne va pas demander qui est Mende. On ne va pas demander qui est Mende. On ne va pas demander qui est Bochap. On ne va pas demander, c'est parce qu'on ne connaît pas ces gens-là. La populace connaît les gens qui émergent. Et ceux qui émergent, ils émergent dans le bon sens. La musique, le sport. Malheureusement, dans la politique, il n'y a pas de gens qui émergent parce qu'on a affaire aux affamés, aux arrivistes. Chaque fois quand on le nomme ministre, il veut s'acheter une voiture, il veut s'acheter une paire de chaussures, il veut voyager, il veut donner l'argent aux musiciens pour qu'on puisse le dédier de chansons. Alors, je voulais, pour ne pas provoquer l'imbroglio, je voulais dire que les ministères qui sont au Congo ne sont pas nos ministères parce que le gouvernement n'est pas le nôtre. Vous pouvez voir ces derniers temps ce qui se passe dans les YouTube, partout. On nous présente Kigali la belle, Kigali la propre, Kigali la verte. Ça vous reflète les cinq chantiers de Hippolyte Kajambere Kanembe. Où se trouvent les cinq chantiers? Parce qu'on doit nous présenter ce bilan, ceux-là qui veulent qu'il se représente encore pour la troisième fois, pour le troisième mandat. Mais on doit faire le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait des promesses qu'il a tenues? Il n'a rien fait. Par contre, les cinq ou peut-être les huit chantiers se reflètent au Rwanda. Donc, bah, cinq chantiers à Zéko-Loba. Ils viennent danser les moutouaches, tout ça. Kabila, tout ça. C'est au Rwanda. Chez nous, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas notre gouvernement, ça n'a jamais été notre gouvernement et nous ne pouvons pas parler de sport, du développement des sports, du développement de ci et cela dans un régime qui a pris les pays en otage et qui est sponsorisé par la communauté internationale, les multinationales, tout comme les transactionnels, et soutenu par les béquilles d'une bande de Congolais qui sont ivres de la gloriole. Et qui ont fait une bande de traîtres qui sont. Donc il n'y a aucun message à donner au gouvernement ou au ministre des Sports et Loisirs de notre pays parce que c'est vraiment regrettable. Et on a connu M. Ndaye, jusqu'aujourd'hui même le Sud-Africain a continué à parler. Lorsqu'il y a organisation des CAF, on fait mention de lui chaque fois qu'il y a cela. Il n'y avait pas qu'Ndaye. Mobutu a produit des joueurs, malgré sa dictature. L'équipe de Léopard de l'époque a fait trembler les stades d'Afrique et les stades du monde, qu'on se le dise. Aujourd'hui, la Croatie, qui est une émanation ou un sous-produit de la Yougoslavie, s'est qualifiée à la Coupe du Monde, à la finale de la Coupe du Monde. Les Congolais étaient capables à l'époque, les Aérois, de battre la Yougoslavie. Mais c'est parce qu'on ne leur avait pas donné leur argent pour le motiver. Ils ont saboté, ils se sont fait battre par 9-0. Contre le Brésil, je ne sais pas, c'était 2-0, contre l'Écosse, 3-0. Ils ont fait ça sciemment à cause de l'incompétence, de la malhonnêteté de notre administration, quand bien même qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'occupation. Mais c'est nous, les Congolais, qui sommes responsables de tout ce déboire. Vous voyez ça? Nous sommes des voleurs, nous sommes des menteurs, nous sommes des incompétents. Hein? Où se trouvent les gens? À l'époque, celui qui était ministre, c'était Sampa Sakaweta Milombe. C'est lui qui était ministre. Probablement, il est quelque part aux États-Unis, s'il vit encore. Mais qu'il explique à la génération actuelle qu'est-ce qui s'était passé. Si on ne pouvait pas donner de l'argent à l'époque aux joueurs, mais un gouvernement responsable doit quand même
se souvenir du bien qu'ont fait ces gens à l'époque. Et je pense que si un jour qu'il est devenu président de la République, parce qu'il rêve de devenir président de la République et il travaille pour devenir président de la République, ou s'il ne l'est pas et qu'il travaille dans le gouvernement, il va introduire une motion pour la compensation de ces joueurs, qu'ils soient vieux ou pas. Et s'ils sont morts, on doit donner des dividendes à leur progéniture. On doit chercher les enfants de Kakoko, les enfants de Kidumu, les Kidumu Matantou, les enfants de Mayanga, les enfants de Kilasu, tous ces gens. Mais on ne doit pas oublier ces gens. On doit seulement les oublier parce qu'on vient au Parlement, on est en veste, on est en chaussure qui coûte cher, on a le doctorat, on se dit non, on doit oublier la contribution des autres. C'est de l'ingratitude. Et c'est par là où émane la malédiction. Pour vous qui croyez au satanisme et à la malédiction de Satan, moi je crois à la malédiction des ancêtres. Quand on méconnaît le bienfait des autres, on se maudit. Le pays est maudit parce que les réunions actuelles sont ingrats, sont avares, sont méchants. Ils appliquent une violence à l'héritage national. C'est dans la violence qu'on doit oublier tout le monde. Il n'y a même pas une course marathon où l'on doit parler de journée de Lumumba, journée Kasavubu, journée de martyrs. Il n'y a rien, donc c'est fini. Il n'y a que nous qui vivons. Ceux qui sont morts, et c'est fini pour eux. Mais un poète africain avait dit, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, comme aujourd'hui en Afrique du Sud, d'ici là, dans quelques mois. D'ailleurs, ce mois ici, on consacre cela, le mois de Mandela, parce que Mandela est né le 18 juillet 1918. Il va totaliser 100 ans, n'est-ce pas? Et ils vont célébrer le centième année, le centenaire de Mandela. Donc, et ils reconnaissent toujours, il y a Oliver Tambo, il y a Salomon Matlangu, tous ces gens-là, on est en train de continuer toujours à commémorer leur existence. Pourquoi pas nous, les Congolais? Quittons le monde sportif, parlant un peu de monde un peu politique et réfléchissons sur cela. Nous allons aussi demander à M. Kilele l'implication de Donald Trump à la résolution, à l'établissement, n'est-ce pas, de la paix, et pourquoi il est résisté pour venir intervenir à la résolution de notre pays RDC. Comme on a l'habitude de se poser la question, il y aura des élections ou pas, on aura à parler la semaine. Il y a un de nos téléspectateurs qui nous suivent ici en Afrique du Sud. Il a voulu aussi proposer ses questions. Si vous voulez aussi le faire, vous êtes la bienvenue. Contactez nos numéros, ils sont dans le petit écran. Le numéro de M. Kilele est aussi là. Moi, c'est Josse Boulois. Facebook, c'est Josse Boulois. Alors, je vais inviter un de nos téléspectateurs. Moi, Namboka, le Gola Bissou, Azanamama, Mituna, Mibele, Mibale, Misatu, Alinga, Gepekotuna, président Kilele. Bonsoir, président Kilele. Mon nom, c'est Didier. Didier Ndongala. Oui. Ma question est celle-ci. Et ma préoccupation de tous les jours. Ce n'est pas à cause des gens de Kivu qui ont donné l'accès aux Rwandais qui nous maltraitent aujourd'hui au Congo, et nous souffrons.